Et donc, pour présenter ce livre, j'ai le plaisir de recevoir les deux co-directeurs de cet ouvrage, qui sont Nicolas Mezzetti, qui est à ma droite, et puis Cesare Matina, qui est à mon extrême droite. Nicolas Mezzetti est spécialiste des politiques internationales. Il est docteur en sciences politiques de l'Université populaire Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors après, tout a changé. J'avais écrit qu'il était rattaché au laboratoire des techniques territoriales et sociétés et membre du Sherpa. Mais en partageant notre déjeuner tout à l'heure, il m'a indiqué qu'il avait changé de structure professionnelle et qu'il travaille maintenant pour une structure qui propose des services aux collectivités, mais il vous en parlera mieux, parce que je n'ai reconnu qu'un seul morceau. Ceci étant, il a rédigé plusieurs livres, dont « Le retour des villes dissidentes » aux éditions du Puquet en 2018, « Marseille, ville du monde » qui a été édité par les éditions Cartala en 2017, « Opération culturelle et pouvoir urbain » qui a été édité par les éditions L'Harmattan en 2013. Il a écrit également de nombreux articles dans des revues de diffusion comme Marseille, l'élection introuvable, l'internationalisation des villes entre action publique intégrée et productions urbaines, gouverner les transformations urbaines, Marseille, pseudo-socio-histoire d'une ville-monde. Donc vous l'avez compris, Nicolas Mezzetti, c'est plutôt un spécialiste des politiques internationales. Quant à Cesare Massina, qui est donc celui qui est à l'extrême droite, il est lui également sociologue, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur au Centre méditerranéen de sociologie, de sciences politiques et d'histoire, de manière plus courte, Mésopolis, qui est un laboratoire mixte entre l'Université populaire... entre l'Université d'Aix-Marseille et le CNRS. Et Cesare Matina a également rédigé « Dénoncer la corruption, chevalier blanc, pamphlétaire et promoteur de la transparence à l'époque contemporaine ». C'était chez Démopolis en 2018. « Clientélisme urbain, gouvernement et hégémonie politique à Marseille » aux presses de Sciences Po en 2016. Et puis « Marseille autrement, rendre la ville au peuple » chez Bruno Le Prince en 2013. Donc pour en venir à « Maudire les villes, socio-histoire comparée des dénonciations de la corruption urbaine » qui a été édité, je vous le rappelle, par les presses du Septentrion. Les presses du Septentrion, ce sont les éditions qui sont rattachées à l'Université de Lille. Donc il est écrit en quatrième de couverture, un scandale de corruption, des élus accusés de clientélisme, de favoritisme, d'affairisme, de lien avec le crime organisé. La scène se passe-t-elle n'importe où? Ou pas forcément, car il y a des villes où ces dénonciations sont plus fréquentes qu'ailleurs, des villes maudites qui finissent par avoir une mauvaise réputation. Cet ouvrage analyse les mises en accusation des phénomènes d'improbité publique qui se prolongent dans une stigmatisation de certaines villes, ainsi considérées comme corruptrices et corrompues. Il explore toujours cet ouvrage, il explore ces différentes époques, depuis la fin du XIXe siècle à nos jours, et plusieurs espaces européens et nord-américains, les villes états-uniennes des machines politiques, New York, Boston, Chicago, en Europe, Glasgow au Royaume-Uni, Montréal au Canada, Naples en Italie, Marseille en France. Un traitement spécifique est réservé à cette dernière avec quatre chapitres qui saisissent l'invention de la consolidation de sa réputation sur une très longue durée. Donc vous voyez qu'on embrasse de manière très
globale les phénomènes de corruption et notamment les phénomènes de mauvaise réputation. Donc l'un et l'autre vont nous expliquer si ces réputations, bonnes ou mauvaises, sont justifiées ou pas. Et peut-être qu'on abordera ensuite pourquoi ces villes continuent à être attractives. Pourquoi autant de monde, enfin de touristes viennent les visiter, voire s'y installer. Mais ça n'est pas à moi de faire l'exposé. Nous avons là deux spécialistes qui vont nous en parler pendant à peu près 1 heure. Avant d'oublier, pensez à me faire penser à rallumer mon téléphone portable en partant. Donc ça veut dire que vous devez éteindre le vôtre, s'il vous plaît. Lequel des deux commence? Nicolas? Oui. Césarée? C'est ouais. Nicolas. Merci beaucoup Jean-Pierre, et merci pour cette invitation. Merci à l'Université Populaire. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est quand même un peu exceptionnel, parce qu'on a aujourd'hui un duo complètement atypique, un Marseillais de Naples et une Parisienne de Paris. Donc, et ce Parisien me disait tout à l'heure, suit tous les matchs de l'OL. Alors, je ne sais pas comment il fait pour se promener sur les Champs-Élysées avec le maillot de l'OM, mais bon, en tous les cas, il vient pas avec le maillot du PSG aujourd'hui. Pardon de t'avoir Non, interrompu. non, c'est une attaque, une stigmatisation que je prends assez mal. On m'a jamais qualifié de Parisien. Personne. Je ne vois pas d'où ça vient. Non, merci beaucoup, hein, merci pour cette invitation malgré tout, pour parler effectivement de ce livre, Maudire la ville, que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec Cesare et qui effectivement regroupe non pas un attelage de Parisiens, Marseillais, Napolitains, mais plutôt d'un point de vue disciplinaire des historiens. Donc c'est un livre qui est structuré autour d'histoires, des histoires faites par des historiens, mais qui est dirigé donc par un sociologue et un politiste. Que moi, je viens plutôt de la sociologie politique et Cesare de la sociologie. Et du coup, voilà, ça donne déjà un premier ancrage à ce livre, qui est un livre d'histoire et de sociologie politique. Et je pense que c'est important de commencer par ça, sur l'histoire de la mauvaise réputation de certaines villes. Et pour comprendre un petit peu d'où vient cette idée de livre, avant de rentrer un peu dedans et dans le détail de ce qui est raconté, peut-être dire d'où on vient finalement tous les deux, en dehors de nos résidences administratives, qui n'ont pas vraiment d'importance, absolument. On partage d'abord tous les deux Marseille comme terrain de jeu de nos enquêtes, de nos recherches. Et on insiste tous les deux sur ce terme de terrain. Pour nous, Marseille, c'est vraiment un terrain. Et on s'est positionné depuis longtemps contre une tendance d'un certain discours, parfois de journalistes, parfois aussi de sociologues, qui vont considérer cette ville, la ville de Marseille, non pas comme un terrain, mais comme un objet. Et on tient beaucoup à cette distinction, Marseille comme terrain et pas comme objet d'étude. Puisque, et on y reviendra, hein, considérer la ville de Marseille et en fait d'autres villes comme des objets et non pas comme des terrains, eh ben ça pose un certain nombre de problèmes qui renvoient à ce qui est souvent appelé comme étant du localisme. Et je reviendrai sur cette question-là. Et ça explique en fait ce point de départ, ça explique ce projet de livre, considérer la ville comme un terrain et non comme un objet d'étude. On avait participé tous les deux, il y a plusieurs années maintenant, à un projet de recherche ensemble, avec d'autres collègues, avec des historiens surtout, qui s'intéressaient aux pratiques de corruption d'un point de vue historique, surtout à la dénonciation des pratiques de corruption. Et c'est à cette occasion qu'on avait rencontré un certain nombre de collègues historiens qu'on va retrouver dans le livre. Donc c'est aussi l'histoire un peu de cette fabrique de livres, comme beaucoup de livres de sciences sociales, par des rencontres souvent à l'occasion de projets de recherche collectifs.
Et donc le point de départ de ce livre, suite donc à cette recherche qui s'appelait POC à l'époque, hein, politique de la corruption, c'était de reprendre ce fil qu'on avait à propos de la construction et des effets de la réputation extraordinaire de Marseille, d'une part, et puis de creuser la question de la dénonciation de la corruption dans le cas d'espaces urbains. Et ce point de départ, c'était de prendre au sérieux les discours de dénonciation de Marseille. Des discours de dénonciation de Marseille qui sont, et voilà, on est ici à un endroit où je pense qu'on a tous en tête une trame, finalement, de ce qui constitue la réputation de la ville, et qui peuvent se résumer par les points suivants, qui sont souvent d'ailleurs cumulatifs. Donc, d'abord, c'est une ville mal gérée et des élites politiques incapable. Donc on a l'image en tête, hein, par exemple, des mobilisations sociales consécutives à la catastrophe du 5 novembre, par exemple. Donc c'est une ville mal gérée, des élites politiques incapables, et puis non seulement incapables, mais également corrompues, hein, et mis en cause dans un certain nombre d'affaires. Hein, on pense ici à certains procès en cours ou à venir. Et puis on a aussi des élites donc politiques corrompues, mais qui ne sont finalement que le reflet de la corruption d'un corps social qui, de la petite délinquance jusqu'au grand banditisme, se livre à des actes de violence qui prend parfois la forme de la criminalité organisée. Hein, on pense de la mafia des années 30, à la French Connection, en allant jusqu'au règlement de compte entre parrains corses, etc., jusqu'au tableau actuel. Et enfin, pour finir un peu justement ce panorama, on a aussi l'esprit frondeur des habitants, qu'on qualifie parfois de rebelles, mais dont on déplore surtout, en fait, l'incivilité. Hein. Alors, je prends peut-être un ton ironique ici, hein, mais on voit bien à l'évocation de cette trame, et c'est presque pas la peine de les illustrer par des exemples, tant ils sont ordinaires et ancrés dans nos imaginaires collectifs, que ces éléments de la trame de la réputation correspondent à la fois à des faits objectifs et en même temps à de puissants stéréotypes qui véhiculent des imaginaires persistants. Des imaginaires persistants qui permettent de combiner ou d'articuler une espèce de tenaille de réputation entre d'un côté des élites corrompues et de l'autre côté un bas peuple en quelque sorte qui serait lui aussi incivil et finalement a une mauvaise réputation qui serait ainsi justifiée. Alors, nous, notre idée précisément, c'était de ne pas s'échiner, s'efforcer, de démêler le vrai du faux, de ne pas se livrer à une défense qui nous paraît absurde de la bonne réputation de la ville, comme il est aussi absurde de dénoncer systématiquement la mauvaise réputation de la ville. Au contraire, nous, ce qu'on voulait, c'était, avec ce projet, faire un pas de côté vis-à-vis de ces faits objectifs, que ce soit la corruption, la violence, les grèves, la saleté, etc., de faire un pas de côté pour comprendre, non pas donc ces faits objectifs, mais les origines de leur dénonciation, les acteurs qui portent cette stigmatisation, les rhétoriques, le langage qui est employé pour dénoncer telle ou telle pratique ou tel individu ou groupe social, et de le faire dans une histoire la plus longue possible. Et l'une des intuitions de départ, au fond, hein, c'était d'observer un glissement entre d'abord la dénonciation d'un certain nombre de stigmates, hein, que j'ai commencé à énoncer, hein, mauvaise gestion, corruption, violence, incivilité, d'un glissement de ces stigmates vers la dénonciation de la ville elle-même, qui est érigé non pas seulement comme finalement le lieu où se passe le crime, mais comme le protagoniste principal, comme l'auteur, comme finalement le délinquant en tant que tel, dans une forme de personnification de Marseille, qui est ainsi construite comme un personnage de mauvais polar au fond. Hein. Et dans le discours justement de sens commun, dans un certain nombre d'œuvres de fiction, depuis très longtemps, on peut même le dater historiquement, c'est depuis à peu près les années 30, Marseille, c'est la fille facile, le voyou qui parle fort ou le patron de bar qui exagère. Et ça, on observe une permanence dans ces représentations fictionnelles qu'on retrouve dans le sens commun.
Le second parti pris du projet, c'était aussi de sortir du localisme. Alors j'ai un peu annoncé hein, ce terme tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ce localisme? C'est ce qu'on appelle entre nous la marseillologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, mais qui renvoie à, dans le champ scientifique, à une critique, une recension d'un ouvrage qui est très lu à Marseille, qui s'appelle « Gouverner Marseille ». Peut-être que vous l'avez déjà eu entre les mains. Et dans ce livre, on observe une forme de marseillologie, de localisme, au sens où on a des discours qui vont expliquer les spécificités de la ville par la singularité de la ville, dans une espèce d'aporie ou de contradiction, ou en tout cas on a du mal à expliquer du coup les choses, puisque finalement la ville est érigée comme étant exceptionnelle et les phénomènes qui se passent dans la ville, eh ben, finalement s'expliquent par eux-mêmes quasiment. Hein, et pour nous, finalement, ce discours qui, d'un côté, va vanter l'exceptionnalité de la ville ou qui, de l'autre, va dénoncer ses travers, ça fait partie des deux faces d'une même pièce, hein, cette pièce de la marseillologie. C'est une forme de construction de la singularité, de l'unicité, de l'exceptionnalité qui va conduire très souvent, à la fois dans les sciences sociales, dans certains discours journalistiques, dans des discours aussi d'élus, hein, publics, dans le débat public, jusque dans le sens commun, c'est-à-dire des discours qu'on peut tenir entre nous dans la rue ou au bistrot, qui conduit à des interprétations culturalistes, où on va homogénéiser des traits collectifs, comme si finalement tous les Marseillais se comporteraient tous de la même façon, et ça s'expliquerait par leur tempérament ou leur culture. Ça, c'est le problème hein, de cette, ce qu'on appelle aussi dans les sciences sociales l'idiosyncrasie, hein, c'est-à-dire un raisonnement circulaire. Hein. La particularité s'explique par la singularité, sans qu'on sache d'où ça vient, au fond. Et ça, on voulait vraiment sortir de ce piège, ou en tout cas pointer ce piège du doigt, parce que ça nous semble problématique pour comprendre les phénomènes sociaux et politiques dans les villes en général. Et pour ce faire, on propose, il ne s'agit pas juste de dire c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais on propose quelques pistes qu'on essaye de proposer au débat, de verser au débat dans ce livre. Premièrement, c'est de procéder à des comparaisons. Hein, soit par fenêtre comparative, soit, donc on peut faire une étude de cas et puis dire, bon, bah, ailleurs, voilà, peut-être, éventuellement, comment ça se passe, si ça rejoint ou si ça se distingue. Et puis, ou par monographie comparée. Donc on peut faire une succession d'études de cas et puis comme ça, on peut voir, c'était un peu l'idée du livre, hein, de voir un petit peu quels sont les fils qui nous permettent de distinguer ou d'organiser des similarités. Ou alors par comparaison systématique. Ça, c'est le premier point, hein, c'est les comparaisons. Et le deuxième moyen de sortir du piège du localisme ou de la marseillologie, c'était d'engager une réflexion socio-historique, c'est-à-dire de comprendre d'où viennent les discours, comment ils ont été construits dans le temps, comment ils se sont consolidés, pour éviter qu'on considère les choses comme étant naturelles, essentialisées. Ça a toujours été comme ça. Depuis 2600 ans, les gens se comportent mal. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre d'où ça, quelle est l'origine, non pas des comportements, en fait, mais de la manière dont ils sont dénoncés, de la manière dont elles font l'objet de stigmatisation. Ces débats sur la réputation, sur la mauvaise réputation des villes, est en fait finalement assez ancien, et il ne vient pas des sciences sociales, on s'est rendu compte en s'intéressant à ce sujet, on s'est rendu compte que ça trouvait l'origine hein, d'où vient qu'on dénonce des villes comme ça, comme étant particulièrement l'objet de violences et de mauvaises gestions. Mais ça vient dans les œuvres de fiction d'abord, c'est-à-dire dans les romans, dans des romans réalistes du 19e siècle, si on pense à Oliver Twist, par exemple, à certains ouvrages, à certains romans de Zola aussi. Et puis surtout, on a des journalistes qui vont creuser aussi cette question et la nourrir de la mauvaise réputation des villes. Il y a même un genre journalistique qui apparaît à la fin du 19e siècle aux États-Unis et qui s'appelle le muckraking, littéralement le fouille-merde, c'est-à-dire celui qui va révéler des scandales, notamment de corruption, et la ville va être un terrain de jeu
particulier et particulièrement fertile pour tous ceux qui vont voilà, essayer de mener des enquêtes un peu au long cours. Il y a un livre notamment qui va marquer son époque et qui est encore beaucoup, beaucoup cité aux États-Unis. Il s'appelle « The Shame of the Cities » d'un journaliste américain qui s'appelle Lincoln Stephens et qui va voilà, beaucoup marquer le genre journalistique et aussi la manière dont on appréhende les villes modernes au tournant du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire à un moment particulier à la fois de la démocratisation des sociétés et de l'imposition, enfin de l'hégémonie du capitalisme urbain, industriel, quasiment fordiste au début du XXe siècle. Ensuite, les sciences sociales se sont emparées de cette question de la réputation des villes. Et pour ce qui concerne les études urbaines, dans une période beaucoup plus contemporaine, dans les années 80-90, pour investiguer la question de la compétition néolibérale dans laquelle l'attractivité est une ressource cruciale. Compétition des villes pour attirer des investisseurs, des touristes, des classes moyennes supérieures, et à ce moment-là, la réputation des villes est hyper importante pour les élus, pour les politiques publiques, pour, voilà, pour attirer hein, le capital et ses porteurs. Et donc, les villes se lancent dans des stratégies, dans des politiques de communication territoriale, de marketing territorial, hein, Marseille on the move, hein, je ne sais pas si on s'en souvient de ce truc-là, mais voilà, un certain nombre de villes, ici aussi, hein, essayent de se lancer dans ces stratégies pour rompre avec la mauvaise réputation et puis pour attirer donc ces nouveaux vecteurs de développement économique. Mais finalement, ces travaux, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire dans le bouquin, parce que ces travaux sont centrés sur des réponses en termes de politique publique au problème de la mauvaise réputation, quand nous, ce qu'on voulait retracer, c'est plutôt la construction sociale, donc en amont, d'où ça vient, plutôt de comment on fait pour répondre à ce problème de la mauvaise réputation. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur cette question-là, mais qui concernaient sur la stigmatisation territoriale, c'est le concept employé notamment par Loïc Vacan, mais qui portait surtout sur un espace particulier, qui est celui des quartiers, des banlieues, des quartiers en périphérie des villes ou des banlieues, et donc articulé à une stigmatisation sociale des classes populaires, alors que nous, on était plutôt, même si on verra qu'il y a des éléments convergents, mais en termes d'échelle, nous, on était plutôt à travailler sur l'échelle d'une ville en tant que telle et pas d'un morceau de ville. Donc c'est un peu la différence. Avant d'entrer dans le détail des résultats du livre et des questions qui soulève. Un dernier mot peut-être sur la structure hein, de l'ouvrage qui est construit, hein, je l'ai dit un petit peu, autour de la comparaison socio-historique et qui s'appuie en même temps sur une étude longitudinale de Marseille sur la longue durée et qui est ainsi mise en miroir. Donc on a quatre périodes historiques et pour chacune des périodes historiques, on a un chapitre sur Marseille et un chapitre qui porte sur une autre ville. Des villes uniquement soit européennes, soit nord-américaines, pas mal de villes portuaires également. Mais un choix plutôt fortuit que volontaire. La première période, c'est celle qui va de la fin du 19e au début du 20e siècle, avec un chapitre sur la dénonciation des machines politiques américaines, c'est-à-dire un chapitre sur un certain nombre d'entreprises politiques dans le nord-est états-unien, du côté de Boston, de New York, et puis du Middle West à Chicago, où on a des entrepreneurs politiques qui sont à la fois hyper dominants, les boss dans leur ville, et qui commencent à être dénoncés par un certain nombre justement d'acteurs et de mécanismes, de rhétorique, hein, qui va les pointer du doigt. Et donc ce premier chapitre d'un historien américain qui s'appelle Alan Lesoff. Un deuxième chapitre sur la même période, de Marseille, à propos de Marseille, de Marc Aubard, qui évoque la naissance. Hein, on se demande d'où ça vient, finalement, la mauvaise réputation de Marseille. Eh bien, on peut la dater. Et ce chapitre-là, il est intéressant et important pour cela, parce qu'il date la naissance de la mauvaise réputation de Marseille à travers une série de petites affaires d'abord, mais qui, par effet de cumulation, vont commencer à faire sens pour un certain nombre d'acteurs, notamment extérieurs au jeu politique local, mais pas seulement
seulement, également comme ressource dans la compétition politique, hein, dénoncer ses adversaires pour accéder au pouvoir. Et donc, voilà, on a ce premier chapitre sur Marseille, avec par exemple, hein, le procès Garnier. Il y en a également un autre juste avant, hein, l'affaire Chavarel, où on a un certain nombre d'affaires assez anodines, prises isolément, mais qui, par effet de cumulativité, commencent à construire une mauvaise réputation de Marseille. La deuxième période qu'on investit, c'est celle de l'entre-deux-guerres, hein, de manière assez classique. Deux chapitres également. Donc, le premier sur Glasgow, autour d'une histoire assez fascinante de renversement de la réputation d'une ville pour dire que la ville n'a pas pour toujours la même réputation. Les phénomènes peuvent s'inverser. Glasgow avait très bonne réputation avant la fin de la Première Guerre mondiale, et puis par des facteurs qui sont particulièrement bien explicité, notamment sur le plan économique, géopolitique, de rapport au centre aussi, à la ville de Londres. On a une ville qui devient complètement stigmatisée. Le chapitre sur Marseille, qui est proposé par Laurence Montel, autour d'un épisode assez connu de la marseillologie classique, l'incendie des Nouvelles Galeries, bien sûr, mais un chapitre aussi très stimulant, puisque pour ceux qui connaissent l'histoire par cœur, on apprend plein de choses sur cet incendie, sous l'angle de la dénonciation de la ville. Hein, par exemple, la fameuse phrase du président du Conseil, qui était présent parce qu'il y avait le congrès du Parti radical, et qui dit, on la connaît cette phrase, « N'y a-t-il personne pour commander ?» ici, et qui a été aujourd'hui souvent interprété comme étant finalement la dénonciation de la mauvaise gestion de la ville, qui d'ailleurs aboutira à la mise sous tutelle, hein, qui est quelque chose qui est encore très ancré, qui est périodiquement rappelé. Hein. En fait, Laurence Montel révèle que ça ne s'adressait pas du tout au pouvoir municipal, mais plutôt à l'organisation technique des secours, d'un point de vue opérationnel. Donc on voit comment finalement c'est des formes d'interprétation et d'instrumentation de rhétorique à des fins de dénonciation qui sont ici employées. Je passe vite peut-être sur la période de l'après-guerre, un chapitre sur Montréal, nettoyer Montréal, nous dit Mathieu Lapointe, dans une période où on a un avocat anticorruption extérieur au champ politique local qui accède à la mairie, Jean Drapeau, et qui va, quelques années plus tard, être lui-même être dénoncé comme étant corrupteur, ou en tout cas mis en cause dans des affaires de corruption, alors qu'il était parvenu au pouvoir sur une plateforme anticorruption. Le chapitre sur Marseille, alors c'est le mien. On peut peut-être passer sur... Non, c'est un petit scandale immobilier de dénonciation de corruption, mais qui me paraissait intéressant par rapport au point de vue du livre, puisqu'on entendait, on est en 1965, 64-65, et on entendait le maire de l'époque, donc Gaston Defferre, prendre la défense de sa ville, donc supposément injustement attaqué par un complot de Parisiens, encore eux. Et donc, en creux, en fait, dans les stratégies de défense de la ville, on voyait bien ce qui pouvait être en jeu dans réputation de l'honneur, finalement, de la ville. Et dans la période contemporaine, deux autres chapitres. Celui, d'abord, de Kevin Vacher, sur la ville de Naples, qui éclaire un phénomène peu exploré dans les autres chapitres. Ça qui nous paraissait intéressant aussi, c'est qu'on éclaire différentes facettes d'un même objet, d'un même problème. Ici, c'est comment est-ce que une partie des élites de la ville, à travers la lutte contre la Camorra, s'engage dans une lutte contre la décadence morale de la ville et de ses habitants. Donc c'est un peu la dénonciation de la ville par la ville elle-même, ou par une partie de ses habitants. C'est ça qui est hyper intéressant dans le chapitre de Kevin. Sur la ville de Naples, on a ici un extrait, la mafiosité qui est à l'intérieur de nous. Et enfin, last but not least, le chapitre de Cesare, consacré aux affaires récentes Andrieux et Guérini, mais pareil, qui sont assez connues, mais qui sont vues
depuis les acteurs de la dénonciation, un nouveau public de la dénonciation, un nouveau acteur de la dénonciation, que sont les journalistes et les magistrats. Et on voit bien comment est-ce que les rhétoriques qui sont déployées par ces juges ou ces procureurs et par les journalistes de la presse d'investigation, locale ou nationale, voilà, renouvellent le genre, finalement, de la dénonciation et de la stigmatisation des villes. Je laisse peut-être Cesare, maintenant, j'ai beaucoup parlé, exposer un peu les résultats. Oui, merci Nicolas. Donc, effectivement, là, vous avez un peu la structure un peu du livre. C'était important de restituer un peu comment il est structuré. C'est un livre collectif, effectivement, construit dans le temps, comme Nicolas vient de le dire. Pour passer un peu à quelles ont été les hypothèses principales et puis les résultats spécifiques, puis pour ensuite finir un peu sur les perspectives de recherche et les pistes que nous pourrions éventuellement ouvrir par la suite, suite aussi aux retours qui nous ont été faits déjà dans les présentations entre la sortie du livre en septembre dernier et aujourd'hui. J'ai eu pas mal de restitutions à la fois au milieu universitaire, au milieu associatif ou de librairie, par-ci par-là, qui nous conforte hein, dans un certain sens et éventuellement si on pourra aller plus loin là-dessus. Donc des hypothèses transversales, je disais, première chose a été déjà en partie dit, la dénonciation de la corruption urbaine, c'est un processus de long terme, un processus historique qui voit un certain nombre d'acteurs poser des jalons à un moment donné et qui nous permet de sortir de cette naturalisation, de cette essentialisation du culturalisme, et qui nous permet d'aller plus loin et de voir quelles ont été dans l'histoire les étapes précises à un moment donné, et qui ont été, on en reviendra, les acteurs qui à un moment donné ont posé des paroles, des registres rhétoriques, des actes précis, qui font qu'à un moment donné, il y a une cumulativité dans le temps et une accumulation de mauvaises réputations. Il est vrai aussi, il faut dire, une hypothèse qu'on avait, c'est que en partant de Marseille par rapport à nos travaux, c'était dit, ben, finalement, on faisait une ouverture internationale. Il n'y avait pas que Marseille. Hein, cette histoire de la ville maudite est une banalité à l'international si on pense que chaque pays a son Marseille, avec un certain nombre de répertoires de stigmatisation qui peuvent être proches, similaires, ou qui discordant, mais Naples, c'est le champion de la stigmatisation de la part de villes dominantes comme Milan, du point de vue économique. On a travaillé à un moment donné aussi avec des chercheuses roumaines qui montrent que certaines régions de Roumanie sont stigmatisées par le pouvoir central. En Allemagne, il y a aussi des villes plus stigmatisées que d'autres, comme Hambourg, par exemple. En Espagne, dans chaque pays, il y a pas mal d'exemples hein, de villes qui sont érigées en villes maudites. Et avec, effectivement, l'idée d'observer toujours le va-et-vient entre une parole dominante qui s'impose et des territoires qui sont stigmatisés. Donc des résultats qui nous paraissent intéressants et qui sont aussi les résultats un peu des comparaisons qu'on a pu faire une fois que tout avait été écrit, hein, que c'est un processus long, en fait, il y a des choses qui apparaissent aussi au bout de course, on va dire, et qui constituent un peu aussi une conclusion. Il y a une conclusion écrite à la fin par Frédéric Monnier qui soulève tout un certain nombre de points, mais en fait, après, il y a nos conclusions qui sont celles aussi de l'échange dans le débat avec vous, avec le public, avec les présentations qu'on a faites. Donc, d'abord une malédiction qui est socialement construite, comme on disait. La réputation des villes n'est jamais figée une fois pour toutes. Elles ne sont pas maudites pour toujours. Et leur réputation est toujours évolutive et variable. Même si on a, si on raisonne qu'à partir du cas de Marseille pour l'instant, même si on a une certaine continuité de la stigmatisation de cette ville à partir de la fin du XIXe siècle, jusqu'à nos jours. D'une part, avant les années 1870, la dénonciation de cette ville n'était pas systématique, loin de là. Il y avait même une certaine bonne vision de Marseille par certains côtés. Et ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que même dans la période comprise entre 1880-90 et aujourd'hui, il y a des moments d'accalmie de ces registres
de dénonciation et de la mauvaise réputation de Marseille. Pendant les années 60, globalement, dans une période de grand développement aussi, développement démographique, d'un pouvoir politique qui a une certaine continuité, eh ben, il y a moins de scandales politiques, sauf celui de l'urbaine immobilière dont parlait Nicolas Mezzetti, qui était plutôt l'exception à cette époque-là, au niveau de la sortie de scandales. Donc il y a moins de production rhétorique de stigmatisation et de dénonciation. Et pour les autres villes, c'est clair. L'exemple qu'a fait Glasgow de tout à l'heure, Nicolas, est évident. Une ville pas du tout portée même comme le fleuron du Royaume Uni dans les années à la fin du 19e, les années 10. Et ben cette réputation change radicalement dans les années 20 et 30, notamment sous la poussée d'une classe ouvrière qui, elle, est du côté de la révolution bolchevique, et donc qui est très fortement stigmatisée, qui crée des violences, notamment au sein de la ville. Il y a des récits magnifiques dans l'article de violences, notamment autour des salles de bar, des cinémas, etc., et aussi sur fond d'affrontements religieux entre catholiques et protestants. Dans d'autres villes, pareil, Montréal n'a pas été une ville stigmatisée tout le long, et notamment au début du siècle et avant la deuxième guerre mondiale. Pour Naples, c'est un peu plus complexe. Il y a effectivement plutôt une continuité de temporalité des dénonciations. Donc, vous voyez que tout ça, ce n'est pas forcément une condamnation historique, et qu'il y a des temporalités qui sont différentes. Et la comparaison avec d'autres villes permet notamment aussi de mettre en perspective Marseille et de voir que les choses ne se passent pas forcément de la même manière ailleurs. Et c'est ça l'ouverture comparative qui nous intéressait. Qu'est-ce qu'on dénonce aussi ? Parce que nous, on s'est arrêté à voir un peu quelles sont les cibles aussi de la dénonciation. Qu'est-ce qui est dénoncé derrière toute cette dénonciation généralisée de la ville ? C'est souvent une dénonciation des classes populaires qui est pointée. Les villes maudites, toutes ces villes maudites partagent en fait une même présence des quartiers populaires dans l'hypercentre. Pensez, réfléchir un peu comme une anomalie. Donc ce qui est dénoncé, ce sont les classes populaires, les groupes sociaux de la ville qui sont essentialisés, rejetés. Donc c'est un peu des constructions de frontières symboliques, morales, qui vise à maintenir un ordre social et urbain entre des classes sociales qui habitent dans certains quartiers et qui sont mis à distance et qui mettent à distance d'autres segments de classes populaires entre un jeu entre le « nous » et le « eux ». Donc c'est une logique forte d'exclusion qui est alors effectivement dans ces processus de stigmatisation. Marseille, c'est pas un cas. Naples, c'est pas un cas. Ce sont des villes qui, encore aujourd'hui, ont des classes populaires au centre-ville, ce qui est vu souvent comme une anomalie, comme quelque chose de pas normal. Et finalement, avec les processus de néolibéralisation des villes et souvent de gentrification, donc à l'échelle européenne, ces villes qui gardent des classes populaires au centre-ville, il y en a plus beaucoup, il y en a de moins en moins. Paris, c'était le cas typique d'une expulsion faite très fortement sous les mairies Chirac dans les années 70, 80, 90, et qui souffre de peu d'exceptions désormais. Donc ça, c'est évident. C'est évident. Et derrière, il y a aussi une exclusion seulement des classes populaires, mais aussi des immigrés qui sont dans le centre-ville, à la fois des circulations de migrants dans leur présence dans les commerces et dans le fait qu'ils habitent ces lieux de centre-ville, et aussi qu'ils occupent des espaces publics dans le centre-ville. D'autres résultats qu'on avait vus, qu'on a pu constater, c'est que il s'agit là d'acteurs. On retrouve des acteurs, des entrepreneurs de la morale publique dans des constructions de la mauvaise réputation des villes, qui sont à la fois des relations externes entre un centre et des périphéries. On en a parlé. Du rapport entre des villes-centres comme Paris et Marseille, en Italie entre Milan et Naples, et interne aussi, notamment au champ politique, là où souvent les dénonciations sont faites par des milieux
par certains segments de classe politique pour en dénoncer d'autres qui seraient, elles, plutôt corrompues. Hein. Donc la question de la dénonciation notamment de la corruption, de la mauvaise gestion, c'est aussi une base de la bataille politique entre des partis et même des segments de partis qui s'affrontent les uns avec les autres. Du coup, il y a plusieurs acteurs qui sont là, on les a vus un peu tout le long, et qui sont les protagonistes aussi de cette dénonciation de ces villes, des intellectuels et des journalistes. On en a vu à la fois à l'époque des pamphlétaires à la fin du 19e et du début du 20e siècle, on l'a vu pour les villes américaines, des machines politiques, des journalistes d'enquête qui sont là dans une phase naissante d'un journalisme professionnalisé et qui commencent à vendre beaucoup de copies, hein. Dans les années 20-30, et qu'on retrouve un peu tout le long de cette histoire jusqu'à nos jours, en passant par la nouvelle presse Internet, qui, par exemple, pour la sortie de certaines affaires dans les années 2000 à Marseille, on pense à l'affaire Guérini, aux affaires Andrieux, ont été les protagonistes de cette nouvelle phase de dénonciation des classes politiques. On pense ici même à des journaux comme Ravi, Marsatu ou Bakchich qui a dénoncé pour le premier la chute de la maison Guérini déjà en 2008-2009. Voilà, des élus et des hommes politiques eux-mêmes dans la bataille politique, on vient de le dire, des magistrats, ça c'est un acteur qu'on voit pas forcément apparaître. Ou même quasiment pas du tout, avant les années 70-80. C'est à partir des années 80 que dans plusieurs de ces villes, on voit croître des enquêtes sur la moralité publique, notamment contre la corruption, contre le clientélisme. Donc, dans mon article, notamment, il y a tout un passage sur les rhétoriques de dénonciation et les parcours aussi de ces magistrats qui sont à la pointe dans les affaires Guérini et Andrieux, hein. Ces magistrats qui peuvent parfois utiliser des langages bien, bien essentialisants. Là, il y a une citation notamment de l'interview du procureur d'Alest, un procureur dans les années 2010 à Marseille, en charge notamment des affaires Andrieux et Guérini. Bon, il y avait plutôt les substituts qui étaient en charge de l'affaire. Lui était le procureur général qui chapeautait toutes ces enquêtes. Qui, au moment de partir, donc en 2015, à la fin de son mandat, il dit au journal La Provence dans une interview, les aubergines à parmesane, bon, qu'est-ce qui vous manquera le plus de Marseille? Lui demande le journaliste, dit, les aubergines à parmesane de Rose, rue Glandem, et la dorade grillée à l'huile d'olive de la brasserie de l'OM. J'ai trouvé à Marseille des gens intéressants, chaleureux, qui souffrent de l'image que renvoie la ville, et ont besoin de changer, mais c'est aussi aux Marseillais d'abandonner leurs vieux démons, les mauvaises habitudes, les laxismes, les facilités, ce clientélisme synalagmatique qui fait que l'un demande à l'autre, il ne faut pas de contrepartie à une faveur, il me manquera aussi mes joggings du palais de justice au Prado, aller par la corniche, retour par le Roucas et la bonne mère. C'est aussi agréable que mes joggings au bout de la route des sanguinaires lorsque j'étais procureur à Ajaccio. C'est étonnant comme les territoires durs, violents, se situent parfois dans des sites exceptionnels comme la Corse, comme Marseille. Donc vous voyez une espèce de rhétorique qui tend à essentialiser des lieux, à dire comme c'est des lieux très beaux du point de vue naturel, comment se fait-il qu'il y ait une telle violence, qu'il y ait de tels arrangements entre les gens, un clientélisme et une corruption, c'est pas possible. Donc langage complètement qui m'avait étonné à l'époque, hein, et qui érige effectivement aussi certains magistrats, comme dans les enquêtes comme Manipolite, en Italie auparavant, que j'avais vu, sur lequel j'avais en partie enquêté à Naples dans les années 92-94, hein, qui aussi s'érigent en entrepreneur de morale et utilisent des rhétoriques qui vont au-delà de la rhétorique judiciaire, hein, qui vont dans des langages politiques de dénonciation qui prennent la place dans une moralisation de l'espace public. Cela dit, des suites, des points aveugles aussi de cette enquête qu'il faut pas nier. Pour sortir du cliché, on avait évité le plus possible de mettre des villes du Sud, quelque part. Hein, des villes du Sud, si on veut considérer Naples et Marseille, des villes du Nord ou des villes du Sud, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, des villes africaines, des villes latino-américaines, stigmatisées, il y en a évidemment.
des villes asiatiques, mais ils n'apparaissent pas dans cette enquête, bon, qui a été faite sous la base, évidemment, toujours des cheminements de connaissances de collègues et d'historiens, comme a dit Nicolas tout à l'heure, qui sont plutôt spécialistes des mondes occidentaux, ouais, et du nord du monde. Donc, c'est des cas qui manquent et sur lesquels il y aurait peut-être des ouvertures à faire par le futur. On n'a pas respecté la parité de genre, il faut bien le dire. Il y a quasiment que des hommes, sauf une femme dans le livre, Laurence Montel, pour l'article sur Marseille. La coexistence aussi, à la fois de signaux positifs et négatifs dans la réputation des villes, c'est des choses qu'on a vu paraître vers la fin du parcours. Finalement, même dans des villes très stigmatisées, comme Naples et Marseille, on s'aperçoit qu'à partir d'un moment, notamment d'une certaine réévaluation de ces villes, qui est faite surtout dans les années 90, dans les années 2000, autour d'un réenchantement de ces villes du point de vue touristique, du point de vue d'acteurs du secteur immobilier, hein, d'acteurs des politiques urbaines, qui ont besoin aussi de revaloriser ces villes, eh ben, on a la construction aussi d'un discours positif, hein, sous le Marseille de la diversité culturelle, sous le Marseille du cosmopolitisme. Pensez au roman de Jean-Claude Izot, hein, dans les années 90, qui produisent derrière toute une certaine production, notamment dans le domaine des guides touristiques. Hein, le guide Autrement de Marseille, par exemple, et ben, il renvoie il invite les gens qui viennent visiter Marseille à aller dans des bars qui sont dans les romans de Jean-Claude Izot, qui sont déclamés par lui dans des lieux spécifiques. Et pratiquement, il y a aussi des quarts de gens qui débarquent pour visiter ces lieux, quoi. Hein. Comme ça s'était fait en Sicile avec des visites touristiques, des lieux de mafia, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, espèce de truc un peu de revalorisation de la ville qui joue quand même sur des ambiguïtés, hein, sur de l'encanaillement, si vous voulez, hein, et sur des images négatives et positives de la ville. Des logiques aussi d'auto-stigmatisation, de renversement du stigmate. Il y a des acteurs aussi dans la ville. Hein, je l'ai vu historiquement à Naples très fort. Ça existe aussi à Marseille, qui finalement revendiquent le fait d'être considérés comme des racailles, comme des mauvaises personnes, etc. Et ils endossent ce stigmate. On le voit dans beaucoup de productions culturelles, notamment dans le milieu du rap à Marseille, hein, où on joue aussi sur ces clichés positifs et négatifs tout le temps. Hein, et on renverse le stigmate. On l'a vu dans une ville comme Saint-Étienne, par exemple, où les groupes de supporters, par exemple, avaient mal digéré, il y a quelques années, au milieu des années 2010, quand dans un article du Monde, on stigmatise très fortement la pauvreté de cette ville. Il avait mis une banderole, voilà, qui promettait de régler les comptes à ces journalistes s'ils descendaient dans le stade Geoffroy Richard. Hein. Donc, et qui en même temps, voilà, revendique cet aspect populaire, cet aspect rebelle de ces villes, et même cet aspect pauvre de ces villes. Donc, et c'est avec ses collègues stéphanois qu'on a essayé aussi un peu de prolonger des réflexions, hein, sur ces villes maudites. Ils ont sorti, donc ses collègues de Saint-Étienne, un livre dans une série, je ne sais pas si vous avez vu cette série, à la découverte, Sociologie 2, sous plusieurs villes, Lyon, Paris, Marseille, Rennes, etc. Il y a tout récemment un Sociologie de Saint-Étienne où la question, et un chapitre très, très intéressant, notamment sur la question de la construction de la mauvaise réputation de Saint-Étienne, là aussi, hein, des tentatives de renversement de stigmates avec la valorisation notamment du domaine économique, du design, hein, qui a été mis en valeur dans les années les plus récentes. Donc voilà, il y avait des chantiers ouverts pour la suite sur toutes ces thématiques-là, et donc à suivre, on verra un peu ce qu'on pourra faire par la suite, et aussi avec l'aide évidemment du public qui va nous supporter pour penser aussi quels sont les points aveugles et les possibles développements de tout ce travail. On vous remercie en tout cas énormément, et je remercie l'Université populaire et l'Alcazar aussi pour l'accueil. Merci.
Bon, habituellement, je sollicite les applaudissements. Aujourd'hui, même pas la peine. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, vous. Est-ce que Marseille est une ville maudite? Est-ce que Marseille a une mauvaise réputation? Est-ce que, pour vous, cette mauvaise réputation est justifiée ou pas? Attends, pour l'instant, j'interpelle tout le monde, et après tu peux répondre, s'il te plaît. Je suis né à la Cabucelle. La Cabucelle, ça se situe entre les abattoirs, les anciens abattoirs et les Arnavaux. Donc c'était un quartier très, très, très populaire, qui était habité à la fois par des Italiens, des Espagnols, des Arméniens. La migration du Maghreb n'avait pas commencé. Il n'y avait pas de bagnole dans les rues, donc on se promenait tous, enfin on jouait tous ensemble dans la rue. Les familles en été sortaient la chaise sur le trottoir et on disait qu'on allait prendre le frais. Et lorsqu'un gamin faisait une connerie, il y avait toujours une maman qui n'était pas trop loin pour le rappeler à l'ordre et parfois pour lui mettre un taquet. Mais ça se passait dans la meilleure ambiance. Ouais. Et j'ai jamais entendu une maman dire à une autre, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tapé mon fils, ouais, ça, ou ma fille. Donc moi, je reste persuadé que la réputation qui est faite à Marseille n'est pas justifiée, même si nous avons de nombreux exemples de malversations. Il y a tout à fait récemment, Jean-Claude Gaudin, avec une partie de son équipe municipale, a été condamné pour le versement d'heures supplémentaires qui n'étaient pas justifiées, pour le dépassement de l'âge de la retraite, etc., etc. Mais voilà, il y a plein d'exemples qui montrent que tout ne va bien à Marseille, ne va pas bien à Marseille. Mais moi, quand je me mets à Corbière et que je regarde depuis l'entrée du tunnel du Rove, lorsque je regarde cette baie, c'est un endroit, enfin c'est une vue absolument extraordinaire. On parle à Bombay de la rivière de Diamant. Je crois qu'on peut dire la même chose de Marseille le soir. C'est une ville, enfin une vue absolument splendide. Voilà. Donc moi, j'ai plein de points de vue positifs à propos de Marseille, mais il y a plein d'autres choses qui ne vont pas. Tu voulais dire, toi, pourquoi Marseille a mauvaise réputation? Toi, oui, qui parlait tout à l'heure. Non, c'est pas justifié. C'est pas justifié. Et des clichés, toujours des clichés. Bon, je suis pas. Et puis, je m'excuse, et le Valois-Perret alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de corruption là aussi? On parle toujours de Marseille, mais je pense que ça peut s'adapter à d'autres villes. Il y a toujours ces clichés. Bon, il y a peut-être une partie vraie, mais c'est pas toujours, non. On exagère un peu. Merci. Oui, oui. D'autres observations? On peut réagir juste. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que la question de la réputation est-elle justifiée, la bonne ou la mauvaise réputation des villes, et en l'occurrence de Marseille, est-elle justifiée? C'est justement la question qu'on voulait pas poser dans le bouquin. En fait. C'est pour ça qu'on a pris un certain nombre de précautions. Mais c'est vrai, mais c'est intéressant de voir que c'est celle qui revient toujours. Mais c'est normal, parce que ça, comment dire, c'est assez connexe. Mais justement, l'idée du livre, c'était de partir de cette question pour la mettre de côté et d'en poser une autre ou trois autres qui étaient: d'où vient la réputation? Qui l'a construit? Qui l'a construit? Et comment elle est construite? Voilà. Et ça nous permettait justement de poser autrement, en l'écartant, la question de est-ce que c'est justifié ou pas. Parce que si on répond bien en tête, justement, si la ville le mérite ou pas, à ce moment-là, de notre point de vue, on ne fait que renforcer les polarités qui visent à ériger la ville comme étant quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel, en bien ou en pas bien. Et ce jugement bien, pas bien, qu'on appelle, nous, des jugements normatifs, d'évaluation, on ne voulait surtout pas rentrer là-dedans pour justement dire, c'est pas la bonne question. La question scientifique qu'on peut documenter du point de vue des sciences sociales et de l'histoire, c'est la question de l'origine, la question des acteurs et la question des modalités, des rhétoriques. Oui, parallèlement à l'Université populaire, j'anime aussi une émission radio toutes les semaines chez Radio Galère. Et donc c'est aussi mon
ma déviance de journaliste ou d'animateur radio qui m'amène à poser les mauvaises questions, en tous les cas, à poser les, à pointer où ça fait mal, où ça dérange. Et je comprends bien que votre travail de technicien, de spécialiste scientifique, n'est pas de pointer justement ces marginalisations. Oui. Oui, César. Oui, après, c'est ce qui est intéressant, et on n'a pas encore travaillé là-dessus, il faudrait développer, mais c'est l'effet cumulatif de ces dénonciations dans le temps. C'est-à-dire que j'en s'aperçois, il faudrait faire un travail rhétorique encore plus poussé, que quand on pointe la corruption, notamment lors des affaires récentes, Guérini, Andrieux, même plus tard, les affaires qui sont sorties, notamment pointées par le parquet national financier sur la ville de Marseille, et bah, des journalistes, des magistrats et d'autres, ils ont tendance à citer d'autres affaires qui sont passées dans les années 80 ou précédemment. Hein, et pareil, et encore plus peut-être, pour la question du banditisme, et notamment des homicides et des règlements de compte. Et bien, en 2012, quand il y a eu un peu plus, une explosion un peu de règlements de compte, et bien, c'est le Marseille-Chicago qui revient, vous voyez. Donc on remonte aux années 30. Où on fait des références aux années 80, ou peut-être on oublie que dans les années 80, il y avait eu beaucoup plus de règlements de compte que dans les années 2012. Mais en tout cas, certains registres de dénonciation sont repris plus tard. Et il y a une espèce d'effet de cumulativité. Et ça n'empêche pas qu'après, il y a une période d'accalmie, ou même d'un discours positif qui calme un peu les aspects pendant un moment, et puis ça revient. Mais c'est fou comme l'histoire... L'histoire est intéressante, c'est pour ça qu'on travaille avec des historiens, c'est parce qu'il y a des couches, hein. Il y a des couches qui se mettent les unes après les autres, et il y a des acteurs de la couche d'en haut qui vont chercher des éléments de la couche d'en bas, et ils les remettent à jour. Je vais juste répondre sur Levallois, parce que ça me paraît assez important, parce qu'on y répond en fait dans le bouquin. Pourquoi est-ce que effectivement Levallois n'est pas forcément attaché à l'image d'une ville maudite comme peut l'être Marseille? Et la réponse qu'on apporte dans le livre, je pense que c'est un des résultats importants, c'est la différence, c'est que, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est la présence des classes populaires dans la ville. À Levallois, il n'y a pas de menace des classes dangereuses, des classes sociales populaires. Entre guillemets. Oui, les classes dangereuses qui renvoient à la stigmatisation, pour le coup, des classes populaires, des classes ouvrières à la fin du 19e et qui sont périodiquement réactualisées. Donc ce qu'on dénonce quand on dénonce la ville, c'est les classes populaires. Et pourquoi, du coup, Levallois n'est pas dénoncé au même titre que d'autres villes maudites? Parce qu'il n'y a pas cette présence-là manifeste dans la ville et notamment dans l'hypercentre. Voilà. Et donc... C'est justement dans la comparaison et dans l'histoire de la mauvaise réputation des villes qu'on peut répondre à ce genre de questions. Voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs que Levallois n'est pas dénoncé. On en entend quand même parler des affaires Balkany et compagnie. Mais sur d'autres répertoires de dénonciation et de stigmatisation. Et donc ça pousse à creuser finalement la pluralité des villes maudites, la pluralité des registres de dénonciation. Et du coup, ça invite vraiment à essayer de distinguer qu'est-ce qui est dénoncé quand on dénonce les villes. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est marrant parce que on célèbre le 20e anniversaire de la mort de Pierre Bourdieu. Et en vous écoutant, j'ai l'impression de retrouver les analyses de Bourdieu sur le néolibéralisme qui faisait dans ce contre-feu et aussi sur la construction du savoir objectif pour le cas qui nous occupe aujourd'hui. En fait, ce que vous pointez du doigt, c'est la réputation comme un enjeu d'appropriation bureaucratique au sein des villes et au sein des institutions comme les États, etc., etc. Donc c'est devenu un enjeu d'accaparement du pouvoir au sein des villes. Et ce n'est rien de plus que ça. De même que Bourdieu, à la fin des années 90, disait que au fond, il y a une fausse opposition entre, en parlant du néolibéralisme, il disait qu'il y avait une fausse opposition entre l'État et le marché, et que cette opposition, elle visait à mobiliser l'opinion publique
en faveur de la main droite de l'État, c'est-à-dire la bureaucratie proche des marchés financiers, et en défaveur de la main gauche de l'État, celle qui était proche de l'État social. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour la réputation, c'est-à-dire qu'elle vise à mobiliser la population contre une certaine frange de l'appareil bureaucratique, et en faveur, qui est plutôt proche du peuple, et en faveur d'une autre frange de l'appareil bureaucratique qui est connectée au marché financier, qui est connectée à la mondialisation, qui est connectée au néolibéralisme et qui est connectée à un certain nombre d'intérêts qui sont contraires aux classes populaires. Et donc ça, c'était mon premier point. Et mon deuxième point est lié à ce premier point, c'est-à-dire que la phraséologie qui est employée dans ce qui est très intéressant, c'est la phraséologie de la culturalisation, l'essentialisation, etc. Et j'ai l'impression de retrouver un article, vous avez cité Loïc Vacan en début d'intervention, j'ai l'impression de retrouver un article écrit par Pierre Bourdieu et Loïc Vacan au début des années 2000 sur la phraséologie du néolibéralisme. Et dans l'idiome néolibéral, on utilise énormément le terme de culturalisation, d'identité qui préexisterait ad vitam aeternam à toute... etc. Il y a un primat de la culture qui est fondamental lorsqu'on étudie le néolibéralisme comme stratégie d'effacement des enjeux de lutte de classe. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réflexion. Je ne sais pas si ça... nécessite une réponse, parce que c'était pas vraiment une question, mais ça rejoint absolument en effet le projet le point de départ. En fait, effectivement, vous avez bien identifié la manière dont on mobilise Loïc Vacan et notamment son concept de stigmatisation territoriale, nous plutôt pour l'élargir à l'échelle de la ville, mais finalement pour reboucler sur cette idée effectivement que vous mentionnez à la fin sur les questions à la fois de culturalisme et en fait de rapport de pouvoir entre groupes sociaux et de rappel à l'ordre en fait et de remise de frontières sociales en fait pour distinguer le nous du eux quand on dénonce les villes ou la ville. Et effectivement, la réputation, entre guillemets, devient, est érigée, construite comme des enjeux de pouvoir. Comme des enjeux de pouvoir qui se négocient, qui sont inégalement répartis et qui sont l'objet de lutte. T'as absolument. Alors, on peut le voir à plusieurs niveaux. On peut le voir effectivement au niveau des luttes politiques, c'est-à-dire pour l'accès aux fonctions électives. La réputation, là, clairement, sert à décrédibiliser des adversaires ou à obtenir des formes de ressources de légitimation pour dire « moi, je suis plus propre qu'eux ». Ça, c'est clair dans deux chapitres au moins, mais peut-être j'en oublie, dans le chapitre de Marc Aubard sur le Marseille du début du XXe siècle, le maire intègre, le maire était pas du tout éclaboussé par des affaires de corruption qui éclaboussaient tous les autres, et du coup ça le permettait de rester dans le jeu. Et puis Jean Drapeau à Montréal, je l'ai dit déjà, comment quelqu'un d'extérieur arrive à devenir insider parce que sur une plateforme électorale de lutte contre la corruption. Qui lui sera retourné après contre lui. Donc ça, c'est du point de vue, comme on dit, de la politique, c'est-à-dire de la compétition électorale. Et puis, du point de vue des politiques publiques aussi. La réputation comme enjeu de pouvoir, au sens, là, effectivement, des questions du néolibéralisme urbain, c'est-à-dire comment est-ce que les villes sont dans une concurrence pour attirer un certain nombre de fonctions, notamment des fonctions d'accumulation du capital. Et la réputation est essentielle. Pourquoi est-ce qu'on fait Euroméditerranée ? Pour des enjeux de réputation aussi, pour redorer l'image de la ville dans un contexte de mauvaise réputation objectivée. Pourquoi est-ce qu'on refait le J4 ? Pourquoi est-ce qu'on candidate à la capitale européenne de la culture ? Pourquoi est-ce qu'on requalifie la plaine ? On peut multiplier tout un nombre de politiques urbaines à Marseille depuis les 30 dernières années pour s'apercevoir que l'enjeu, c'est la montée en gamme, ce que j'appelle la politique 5 étoiles, c'est-à-dire changer d'image, c'est-à-dire instrumenter du point de vue du marketing territorial. Et la réputation, la bonne réputation, ou plutôt la rupture avec la mauvaise réputation est essentielle. Voilà. Et de ce point de vue-là, on peut effectivement avoir cette grille de lecture assez, assez bourdieusienne, c'est-à-dire une sociologie critique, des politiques publiques aussi, de l'action publique urbaine, pour comprendre comment est-ce que la ville de Marseille, finalement, à travers ces politiques de lutte contre la mauvaise réputation, est entrée dans l'ère néolibérale des villes. Et si on pousse un cran plus loin, on se rend compte que Marseille rentre dans cet âge-là au moment
où toutes les autres villes en sortent. Ça, c'est aussi particulier, c'est peut-être de la marseillologie, de la singularité de la ville, de l'exceptionnel. À partir du moment où toutes les villes commencent à tourner le dos à ces politiques néolibérales, c'est-à-dire d'attractivité, de compétition, de concurrence, d'excellence, hein, la fameuse CAM, hein, compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, eh ben, la ville de Marseille entre plein pied dedans. Donc c'est assez intéressant ce jeu de décalage, de mimétisme et de distinction. Tu voulais ajouter voilà, effectivement, on défend une porte ouverte. On est sur une approche très constructiviste, très clairement constructiviste, avec l'idée voilà, qu'il y a des acteurs, à un moment donné, qui posent des jalons pour qui est la construction de mauvaise réputation. Il n'y a pas de souci, on ligne avec. Bah, des fois, on a même tendance à, tellement que c'est ancré en nous, une certaine pensée bourdieusienne, même pas à trop le citer dans le livre, il y a quelque chose, mais... Ça coule de source en quelque sorte. Donc on est effectivement très largement là-dedans. Ouais. Il me semble qu'un point central au départ, historique, c'est que la culture urbaine en France est de tradition romaine. Et les villes, dans la situation romaine, les villes ont une tradition de commandement de territoire. Et Marseille, ville grecque, n'a jamais été conçue comme ça. C'est un comptoir littoral qui n'a pas une vocation de commandement, mais une vocation de passage. Et donc ça a deux conséquences. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas cette espèce d'armature urbaine pour, en quelque sorte, accueillir, etc. Les gens sont de passage. Et en plus, étant une ville sur le bord de la Méditerranée, ce passage vient non pas... Ce n'est pas des gens des environs qui viennent à Marseille, c'est des gens qui viennent de loin qui arrivent à Marseille. Il y a donc une double tradition... qui en fait encore un peu étranger par nature dans la situation gallo-romaine et dans un autre après. Oui, non, oui, effectivement. Hein, bah, on a parlé aussi du fait qu'il y a dans nos villes, au-delà de Marseille, quasiment que des villes portuaires. Hein, donc c'est des villes de passage, effectivement. Des villes où arrivent des populations... qui ne sont pas forcément en ligne à certains moments historiques avec les populations qui sont déjà là. Des populations de passage, des populations qui sont aussi dans des trafics différents et variés, qui sont parfois illégaux, etc. Et donc des villes qui se prêtent aussi très, très fortement à une stigmatisation de la part d'un certain nombre de segments sociaux de ces mêmes villes. Donc c'est évident. Ouais. Attends, tu vas avoir un micro, ce sera plus facile. Sinon, on ne t'entend pas. Après, il y aura une question. Oui, merci, Bérangère. Quand on parle des gens qui arrivent de l'étranger, de l'extérieur, l'étranger à Paris, si on lit, par exemple, classe laborieuse, classe dangereuse, au XIXe siècle, les étrangers à Paris, c'est les Bretons et les Auvergnats. C'est évident. Il y a donc là une différence majeure avec des gens qui n'ont pas d'attache préalable au territoire. Absolument. Oui, bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour vos exposés et la présentation du livre qui a l'air très, très intéressant, effectivement. En fait, moi, j'avais juste une question. Moi, je suis arrivé à Marseille il y a très peu de temps pour travailler dans la lutte contre l'habitat insalubre. Et j'ai travaillé à Saint-Étienne et avant, j'ai passé 15 ans en Amérique du Sud. Et en Amérique centrale, sur l'habitat insalubre, sur ces thèmes-là. Et le titre m'interpelle, et j'aurais voulu vous poser une question, en fait, sur comment vous êtes arrivé à ce titre, parce que maudire, c'est la malédiction, c'est parler mal d'eux. Et aujourd'hui, on note l'importance de l'écriture d'un récit, et vous en avez parlé aussi, quelque part, dans la façon, le travail que vous avez... que vous avez réalisé, c'est vous avez rassemblé plusieurs récits. Et aujourd'hui, c'est ce récit aussi qui est remis en question. Et d'ailleurs, vous avez parlé aussi du manque de femmes. Bon, il y en a une dans votre travail. Et certaines fois, on constate, non seulement en Amérique latine, en Amérique du Sud, mais aussi, j'ai vu ça à Saint-Étienne, et je commence à voir ça à Marseille, que les femmes ont une importance centrale dans la vie quotidienne de la ville, mais très peu dans l'écriture sur la ville.
et dans une qui nous accompagne finalement à comprendre cette ville. Donc je voulais juste savoir comment vous étiez arrivé à ce titre. Est-ce qu'il y a eu des titres alternatifs? Est-ce que vous êtes passé par d'autres titres? Est-ce qu'on peut savoir lesquels c'était? Et puis, comme j'ai une partie de ma descendance qui est en haut à la bibliothèque, je vais devoir récupérer 3 de mes enfants qui sont dans les livres, dans les bibliothèques. Et après, je vais vous retrouver avec plaisir pour avoir votre livre et puis échanger après avec vous. Mais en tout cas, le titre, et puis sur ce, voilà, est-ce qu'il y a eu des titres alternatifs et comment vous êtes arrivé à un accord là-dessus? Je ne veux pas répondre à la place de Nicolas et César à propos du titre, mais là, il y a une influence importante toujours de la part de l'éditeur. Je ne sais pas si ça a été le cas en ce qui vous concerne, mais l'éditeur qui engage des moyens importants pour faire fabriquer l'ouvrage m'a choisi généralement la couverture et le titre. Et ensuite décide des royalties qui sont, enfin des droits d'auteur qui sont versés aux auteurs, qui restent toujours, de mon point de vue, absolument abominables. Vous savez que globalement, le prix d'un bouquin, c'est 30% pour l'éditeur, 35% pour les distributeurs, 5%, 8% pour les imprimeurs et ce qui reste, donc entre 3 et 8% pour les auteurs. 5, voilà, mais je dis entre 3 et 8. Donc les auteurs sont vraiment ceux qui sont les moins bien lotis. Alors je ne sais pas si vous avez observé également, mais de grandes maisons d'édition ont décidé d'appliquer un tarif unitaire pour les commissions qui sont versées aux libraires et qui sera fixé à 36%. Aujourd'hui, il y a encore des différences significatives entre les différentes maisons d'édition et les libraires, suivant qu'elles soient grands clients ou pas. Mais le prix unique du livre n'a pas encore rebondi sur la répartition unique et équitable du prix du livre. Bon, c'était juste une aparté. Mais voilà, à propos du titre. À propos du titre, c'est amusant parce qu'on rigolait là tous les deux. Parce qu'on a cette question systématiquement. C'est assez frappant. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose avec ce titre et sans doute un problème qu'on est prêt du tout, enfin absolument à reconnaître, parce qu'il est contre-intuitif du point de vue effectivement de ce qu'on vient de raconter depuis tout à l'heure, c'est-à-dire d'insister beaucoup à la fois sur la dimension sociologique, donc des acteurs et des processus sociaux en cours, donc extérieurs au choix individuel, et en même temps l'histoire. La dimension sociologique, historique, socio-historique. Et maudire la malédiction, c'est bien quelque chose qui est absolument pas sociologique, quelque chose qui est pas du tout historique. C'est-à-dire quelque chose qui a toujours été là, qui est presque anthropologique, voire religieux. Hein, la malédiction, c'est quelque chose qui renvoie à la religion. C'est assez bizarre d'avoir choisi ce titre. Et pourtant, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui avait été imposé par l'éditeur. Je crois que c'est quelque chose comme un projet qu'on avait en... Vous savez, quand on a un projet, on a un titre entre nous, et puis il est souvent pas le bon, et du coup on l'abandonne pour avoir quelque chose. Ben là, on l'a gardé jusqu'au bout. Je crois qu'il y avait, je crois qu'on parlait de la ville maudite, les villes maudites au début. Et puis on a le verbe quand même permet d'indiquer quand même une espèce d'action. Donc là, ça, quand même, ça donne un peu de chair. Et je me souviens d'une des présentations qu'on avait faites à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme en compagnie de Frédéric Monnier, qui a signé la conclusion et qui a accompagné ce projet depuis le début et qui avait fourni une réponse formidable de justification et de défense du titre que j'ai plus du tout en tête, mais je vous la livre quand même. Voilà. Donc voilà, c'est effectivement, je sais pas si Dieu arrête, tu vas vouloir dire quelque chose, mais maudire la ville est quelque chose d'un peu contre-intuitif par rapport au projet, mais on l'aime bien quand même. Ouais, livre constructiviste, comme on disait tout à l'heure, donc l'idée de mettre en avant une action. Hein. Il y a des gens qui contribuent à la création de cette mauvaise réputation des villes, qui maudissent la ville. Donc le verbe maudire, il est là, et il faut l'entendre plus comme dire mal de. Que malédiction au sens religieux quelque part. Hein, donc c'est plutôt. Hein.
C'est dire mal de la ville. Ouais. Ça me fait penser aussi à, au monument pacifiste, avec le petit garçon qui tend le poing, comme sur la couverture, et qui dit « maudite soit la guerre ». Il y a quelque chose de... une espèce de on jette la malédiction dans la ville, mais c'est l'idée quand même d'une action voilà, du constructivisme qu'on évoquait. Et après, les éditeurs, ils adorent soit... ouais, des titres avec des verbes, par exemple, ils adorent ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Et c'est juste parce que c'est marketing. Peut-être un moins... Ouais, mais je... Non, peut-être mon point d'interrogation, non, on ne se l'est jamais posé, ça, comme titre. Qu'est-ce qu'il y avait comme titre au départ? J'ai oublié, en fait. Ouais, le sous-titre, Aller de soi, hein, je pense que là, on n'a pas beaucoup bougé. C'est voilà, c'est la sous-histoire comparée des dénonciations, dans le sens de plusieurs types de dénonciations, et plusieurs registres rhétoriques de dénonciations de la corruption urbaine. Donc, je n'ai pas il faut savoir que le projet, je complète juste, le projet, il part plutôt de gens, et c'est dans le livre avec les historiens qu'on a eu tout à l'heure, celui-là, Dénoncer la corruption, c'est plutôt la dénonciation, dans un premier temps, des phénomènes de corruption et de moralité publique. La réflexion part de là, pour s'apercevoir très vite, quand on a eu les articles des collègues, que souvent il y a un glissement, on l'a dit, Nicolas l'a dit, le glissement de ces élites politiques qui sont dénoncées vers la ville tout entière. Donc voilà, le cheminement, il est celui-là. Moi, par exemple, je viens du travail sur le clientélisme politique, hein, sous Marseille, où j'ai travaillé sur les pratiques concrètes hein, du clientélisme, des échanges entre l'élu et l'élu électeur de logements sociaux, voilà, tout ce que vous connaissez très bien. Donc on a... Il y a un cheminement qui s'est fait dans le temps, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai effectivement la question de la dénonciation du clientélisme se croise à l'analyse des faits concrets, des faits objectifs. Hein. Et on peut pas, et les deux sont très fortement entremêlés. Donc c'est comme ça que j'ai dérivé, on a dérivé ensemble sur ça. Et Nicolas, effectivement, à partir de la question de la construction des politiques internationales des villes, donc dans lesquelles la question de la construction de l'image va avec, forcément. Quoi. Déjà, je voudrais dire que j'ai beaucoup... Je ne regrette pas d'être venu à la conférence, très intéressant. Merci. Parce que nous avons reçu des leçons. D'ailleurs, la remarque de ce monsieur tout à l'heure était très pertinente par rapport à la sociologie et au néolibéralisme. Pour simplifier mon intervention, la rendre la plus courte possible, j'ai envie aussi de m'associer aux deux remarques qui ont été faites, la vôtre par rapport à Levallois-Perret. Et j'en profite, donc premier point, pour m'adresser directement à M. Maizotti, après votre introduction, qui était très pertinente. Vous étiez en train d'ailleurs d'aborder l'aspect psychologique par rapport au titre choisi. Le titre n'est pas entre guillemets accrocheur, mais maudire. Monsieur Maizetti, il se trouve que je suis né à Paris. Ça ne fait que 15 ans que je vis à Marseille. J'ai fait toute ma carrière d'enseignant à Paris. Est-ce que nous nous sentons, comment dirais-je, autorisés l'un et l'autre? Et nous ne sommes pas nécessairement les seuls d'ailleurs, parisiens ou franciliens ou banlieusards, dans la salle. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais juste lier avec oui, parce que Paris, rappelez-vous, le trou des Halles. Pardon, il faut vraiment que je présente des excuses à Nicolas pour avoir dit qu'il est parisien. Alors, je m'exprime mal. Ce que je veux dire, je ne me sens pas, si j'ai choisi de passer ma retraite, j'aimerais bien assister à une conférence à Paris où on remettrait en question le centralisme général d'organisation de la France. Je crois que c'est François Mitterrand en 81 qui a créé, qui a voulu la décentralisation. Vous avez abordé d'ailleurs les problèmes d'urbanisme. On pourrait peut-être consacrer concernant le poids des marchés publics. Il faudrait qu'on sorte aussi de Paris-Lyon-Marseille. Vous êtes mieux qualifié que moi pour nous éclairer sur... Qui a été à l'origine, pas nécessairement uniquement Giscard et Chirac, de la désignation de ces trois villes sur le mode de scrutin? Très vite... Gaston Defebvre. Tout à fait. Or, comme ministre de l'Intérieur, et puis aidé par M. Franceschi, au secrétariat à l'Intérieur,
il a essayé de mettre en œuvre et de faire passer dans la pratique, dans la gestion des régions, la loi de décentralisation. Et puis, qu'est-ce qu'on s'est aperçu lors des dernières élections municipales, régionales, départementales ? C'est que, précisément, toutes les villes de France ont le problème... Dupont-Aignan aussi a sorti un livre, « Où va le pognon ?» C'est-à-dire que... Est-ce que ce sont les hommes, je voudrais clarifier ma pensée, est-ce que ce sont les hommes qui font le système, ou est-ce que les hommes, à un moment donné, ne sont pas prisonniers du système de l'organisation bureaucratique, alors la mégalopole ? On ne va pas faire de complexe non plus. D'ailleurs, vous avez très justement, M. Mézetti, fait allusion, et vous aussi, monsieur, la capitale européenne de la culture, Marseille, capitale européenne du sport. À chaque fois que nous avons posé notre candidature, je parle en marseillais d'adoption, par exemple pour la Coupe du Monde en 1998 ou pour d'autres manifestations sportives ou culturelles, à chaque fois, Marseille n'a pas à rougir par rapport à la capitale. On souhaite que l'organisation des Jeux Olympiques, d'ailleurs, pour rester dans le domaine du sport, soit aussi bonne qu'elle l'a été en 1924. Je prépare un colloque sur que pensent les Marseillais des néo-Marseillais. Ah ouais, génial. Je ne manquerai pas d'y assister, mais ce que je voudrais souligner un dernier point, par rapport à la personnalisation. C'est difficile d'échapper à la personne. Bon, Marseille, deux grands personnages historiques, Gaston Defferre, Jean-Claude Gaudin. À Paris, il a fallu une initiative de Giscard d'Estaing pour que Paris ait un maire. Étienne Marcel, il faut remonter bien en... Oui, à Paris, c'était bien avant. Et puis, les scandales n'ont pas manqué. Je fais simplement allusion au grand stade. Je souhaite que tu conclues. Glavany voulait... J'ai interrompu personne. Que tu conclues, parce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent aussi s'exprimer. Ma conclusion, elle m'invite à vous citer l'exemple parmi toutes les grandes villes magnifiques et qui n'ont pas forcément mauvaise réputation. Marseille n'a pas forcément mauvaise réputation. Montpellier, ou Georges Frêche, contrairement à Jacques Chirac ou à Jean-Claude Gaudin, ça n'enlève rien à l'œuvre de Jean-Claude Gaudin ou de Jacques Chirac. Mais Georges Frêche a consacré toute sa carrière, a préféré se consacrer à sa ville, et en a fait, elle était déjà magnifique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas critiquable, cette gestion, mais la critique est aisée, mais elle est difficile. Je terminerai de cette façon. En tout cas, c'est bien d'associer... j'ai su comment votre réunion d'aujourd'hui... parce que je viens régulièrement à la bibliothèque, si vous aviez peut-être... c'est difficile, surtout dans cette période, les vacances scolaires. Mais la prochaine réunion, je pense qu'il y aura davantage de monde, parce que le sujet est particulièrement pertinent. Merci pour ton intervention. L'Université populaire a un site, une page Facebook, une page Twitter... des parutions régulièrement dans la Provence, dans d'autres journaux, Ventilo et Zibeline, tant qu'il était vivant. Donc nous faisons tous les efforts de communication qui sont dans nos moyens, mais nous sommes une modeste association. La réunion mensuelle au Prado, à la salle des architectes. Oui, oui. La salle n'est pas trop compliquée. Ah oui, c'est très 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 difficile. C'est à 30 mètres de la station de métro Perrier. Perrier. Mais si tu veux bien, on termine autour du livre et après, à la fin de la conférence, on pourra discuter ensemble. Ouais, juste le temps que le micro peut-être circule, revenir sur un des points que vous avez évoqué qui est intéressant, c'est la question des rapports entre centre et périphérie, capitale et seconde ville, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans un certain nombre de villes maudites. Où, en effet, des rapports de domination territoriale, on en parlait tout à l'heure, sont parfois redoublés ou suscités ou construits aussi dans les relations entre le centre et
les périphéries ou les territoires extra-capitales. Donc on le voit, par exemple, la construction de la mauvaise réputation de Glasgow est inséparable de son rapport à Londres et aussi de sa rivalité avec Liverpool, dans le titre disputé de joyau de la couronne. Idem pour ce qui est de Montréal, hein, le rapport à Toronto est aussi très important pour comprendre cette capitale un peu culturelle, en fait, et linguistique à l'échelle du pays. Voilà, on va retrouver un certain nombre de relations au centre-périphérie, pas forcément de la capitale administrative, mais en tout cas une forme de centralité économique et culturelle d'un pays avec ce qui est considéré être ses marges. Voilà, hein, Naples et pas du tout Rome du coup, mais Milan. Il y a quelque chose qui se joue aussi de cet ordre-là. Donc ça, c'est un des facteurs de la construction des mauvaises réputations territoriales. Oui. Bonjour. Voilà, j'ai bien noté que la mauvaise réputation de Marseille était assez récente, mais je me souviens que dans l'Antiquité, elle était apparemment citée un exemple de bonne gouvernance que les élites romaines allaient s'y former. Du coup, je me demande, est-ce que le fait de s'être trouvé dans le collimateur de Jules César puis de Louis XIV n'a pas aussi joué un rôle dans le basculement en termes de réputation de ville rebelle déjà, pour ensuite savonner la pente vers... Il y a un livre moi qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais commencé à travailler sur cette ville il y a maintenant presque 20 ans, c'est 15 ans, c'est le livre de Bruno Le Dantec sur Marseille dans la bouche de ceux qui l'assassinent, où il y a une espèce de florilège de très très long terme sur effectivement des discours de dénonciation de la ville. Hein, où on voit effectivement de Louis XIV à voilà, toute la période, y compris qui précède celle qui nous occupe. Voilà, ça c'est quelque chose qui interroge. Alors, on n'est pas forcément des anthropologues de la réputation de la ville pour le coup. C'est plutôt une démarche historique ici ou socio-historique et comparée. Mais effectivement, il y a peut-être aussi quelque chose qui se joue dans la réinterprétation des anciens discours au service de phénomènes ou d'enjeux plus contemporains et qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce qu'on voilà il y a certaines représentations qui vont persister et d'autres pas, hein. Et ce qui est sûr, c'est que au XIXe siècle, Marseille n'a pas du tout mauvaise réputation, bien au contraire, mais a plutôt une réputation de ville un peu exotique, dans une forme d'orientalisme, où ce qui se passe à Marseille n'est pas quelque chose d'ordinaire, mais c'est quelque chose de plutôt sympathique et exotique, voilà, curieux. Et il faut attendre le début du XXe siècle vraiment et les premières affaires judiciaires pour que ça se renverse. Voilà. Après, que se passe-t-il avant là, il faudrait sans doute des protocoles d'enquête sensiblement différents de ce qu'on a entrepris ici. Oui, il faut se méfier un peu de prendre dans le passé un certain nombre d'éléments de stigmatisation qui ont été faits à l'époque de Louis XIV ou à l'époque romaine, etc. Et voir que souvent ils sont utilisés par la suite ou aujourd'hui dans une espèce de volonté de consolider un discours de stigmatisation sous la ville, quoi. Donc il y a encore une fois un aspect cumulatif et performatif qui est le fait même de la construction de certains acteurs de tout ça. Donc le même livre de Dantec, il est intéressant, mais en même temps, voilà, il participe aussi à cette espèce de cumulativité qui n'a pas trop lieu d'être. Il faudrait qu'à l'époque romaine ou au Moyen-Âge ou ailleurs, on compare avec d'autres villes pour voir si Marseille est effectivement plus stigmatisée que d'autres. Je ne le crois pas, probablement. Ce n'est pas le cas. Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas pu assister au précédent échange parce que malheureusement, le fait que j'ai pu arriver assez en retard. Moi, ce qui m'interpelle, me questionne, c'est... je suis marseillaise depuis le début des années 80. Je me considère maintenant comme marseillaise parce que ça fait quand même quelques années que j'ai mon principal établissement et que je suis... citoyenne contribuable de cette ville. J'ai même travaillé pour cette ville, donc je me considère pleinement comme marseillaise, bien que étant de la France du Nord-Ouest. En tout état de cause,
Lorsque je suis arrivée, Marseille était dans le creux de la vague. Elle perdait à peu près 10 à 12 000 habitants par an. C'était la fin du cycle industriel au portuaire. Enfin, j'irais un moment très grave, j'irais, de désindustrialisation, ça y est, j'arrive, de chômage extrêmement tendu. Et petit à petit, elle a remonté un petit peu à flot. Alors, il y a eu pour ça, la décision gouvernementale exceptionnelle de Romed, quand même, qui a été, un moment facteur, déterminant, me semble-t-il, et surtout dans la considération de Marseille en luttant pour ce qui était à ce moment-là le mot d'ordre du Marseille bashing, excusez-moi ce néologisme anglophone. Et maintenant, retour des choses. Alors, je ne sais pas si c'est le fait, effectivement, des travaux petit à petit de changement à la fois économique et sociologique de cette ville, mais une sorte d'engouement. Alors, à l'inverse, alors peut-être depuis Marseille, capitale européenne de la culture, on en a vu les effets. Mais avant ça, il y a eu l'arrivée du TGV en 2004, qui a été un moment charnière aussi de changement par rapport à gérer la considération de Marseille par rapport à l'ensemble du pays, ou à l'inverse des Marseillais vis-à-vis, du restant du pays, puisque Marseille se considérait, enfin les Marseillais, comme une espèce d'entité autonome, une espèce de offshore par rapport au reste. Et donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette relative rapidité de changement entre le dénigrement systématique de cette ville, y compris avec tous les maux sociaux qu'on lui connaît, et cet engouement presque qui fait de Marseille une ville, in, enfin presque à la mode. On parle même de movida marseillaise par rapport à ce qui était, 20 ans avant, lorsque j'arrivais, entre guillemets, le désert culturel de Marseille, alors que c'est une ville qui est à bouillon de culture extraordinaire, où n'importe quel spécialiste en toute discipline confondue peut y trouver matière à recherche et à travail pour toute sa vie, pratiquement. Donc voilà, je voulais vous interpeller là-dessus, le pourquoi et le comment de ce revirement relativement rapide, donc dans la considération d'une part des Marseillais vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit, et à l'inverse, donc, et notamment par rapport, aux autorités nationales, par rapport à ce qui est le restant de la France, cette considération de Marseille. Ce qui nous a appris ce livre et l'écriture collective de ce livre, et là aussi les débats qu'on a eus, c'est jamais des processus de revirement d'une situation à l'autre. C'est toujours une coexistence de différentes situations. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte revalorisation de Marseille, de l'image de Marseille à la fin des années 90. Autour, une ville intéressante, Jean-Claude Izot, le cosmopolitisme, il y a pas mal de choses. Vous vous souvenez quand même d'une grosse manifestation à Marseille, sur la Mare Céleste, en 2000, il y avait quand même 300, 400 000 personnes. C'était à l'époque du premier mandat Gaudin, où quand même le discours était un peu différent de ce qui a été par la suite, une espèce de discours de conciliation. Qui fonctionnait aussi dans le sens de la revalorisation de la ville. L'arrivée du TGV était là, dans ces années-là, dans les années 2000. Donc vous voyez que le discours de revalorisation, en même temps, il coexiste avec un discours de stigmatisation qui est toujours là. Il faut intégrer le fait qu'il y a des acteurs différents, des intérêts différents qui coexistent. Maintenant, on a tout le discours sur le Marseille hype, sur les Parisiens qui sont arrivés avec la crise du Covid et qui découvrent, c'est magnifique, etc. L'émission de quotidien de Barthez, c'est ça ? Barthez qui fait toute une tirade sur les bonnes choses à Marseille, en défendant Marseille par rapport à la stigmatisation qu'elle subit. Donc, tous ces processus s'imbriquent les uns avec les autres. Et demain, il peut y avoir un nouveau retour de bâton avec une très forte stigmatisation, etc. Mais c'est vrai qu'on voit des choses qui se stabilisent dans ce sens-là. Naples, par exemple, c'est une ville très systématiquement stigmatisée. Mais il y a un nouveau maire de gauche qui s'installe, Bassolino, en 93. On parle de renaissance napolitaine. Il y a une reprise, notamment, du tourisme dans la ville, etc.
Il y a eu des crises très fortes par la suite, des homicides de Camorra, la crise des poubelles dans les rues en 2008-2009. Ça n'a pas empêché le fait que le tourisme continue d'y être. Il s'est installé. Ça s'est installé, de quelque sorte, malgré la mauvaise réputation. Et donc, vous voyez que ces choses coexistent tout le temps. Et il y a des va-et-vient. Il faut savoir qui dénonce, qui est dénoncé avec, et avec quelle rhétorique. À chaque fois, il faut vraiment rentrer dans la machine, précisément. Ouais, juste pour compléter, je suis complètement d'accord, évidemment, avec Cesare. Et pour compléter, rentrer un peu dans la contradiction, justement, puisqu'on arrive presque à la fin, donc on peut peut-être... effectivement, il n'y a pas revirement, mais il y a coexistence entre la mauvaise réputation, le bashing et le in, le hype, le buzz et la movida. Et en même temps, il y a quand même des moments où il y a revirement. Et c'est là la difficulté, je trouve, à identifier à quel moment ça bascule. On a beaucoup parlé de Glasgow. Là, il y a clairement un revirement. On a beaucoup dit que c'était des phénomènes historiques, historicisés, c'est-à-dire qui sont pas là pour toujours et en tout lieu et en tout temps, mais qui peuvent susciter des évolutions et donc, par hypothèse, des ruptures, des bifurcations. Est-ce qu'on est dans un moment de bifurcation ou est-ce qu'on est dans un moment de continuité ou en tout cas de changement rapide qui masque des profonds changements. Typiquement, hein, l'arrivée des... T'en as parlé, Jean-Pierre, les néo-arrivants, hein, les venants. Hein, j'aime bien cette expression, des venants. Est-ce que c'est quelque chose de durable ou est-ce que c'est pas quelque chose qu'on entend depuis 30 ans, en fait, des gens qui arrivent et puis en fait qui repartent avec un solde qui, finalement, est pas si positif ou négatif, qui est assez égal. Donc c'est difficile, en fait, de voir au moment où il y a des changements un peu rapides et un peu spectaculaires, l'augmentation des prix, les nouveaux restaurants qui ouvrent, et qu'est-ce qu'il y a de plus profond comme... C'est pas facile. Et j'ajoute un deuxième élément de, à la fois de contradiction et de complexité, c'est que, effectivement, ce qui a été dit, la mauvaise réputation des villes est parfois une ressource d'attractivité. C'est, on le sait par exemple sur l'urbex, c'est-à-dire le tourisme des villes en déclin. Hein. À Détroit, il y a des gens qui viennent de très loin pour visiter les ruines de Détroit, hein. Comme on va visiter les ruines de Tchernobyl, enfin avant tout ça. Comme on va et on peut se demander quoi, le capital mauvaise réputation des villes. Hein. C'est-à-dire comment est-ce que le bashing peut être une source de voilà quand on vient s'installer à Marseille, on vient aussi parce que parce qu'il y a des papiers gras par terre et que les gens, ils parlent fort. Voilà. Donc, il y a ça qui se joue. Donc, comment on fait avec, hein, et en termes de marketing territorial, c'est quelque chose qui a beaucoup interrogé et les réponses n'ont pas été forcément pour l'instant très stimulantes, mais c'est quelque chose qui a beaucoup... Est-ce qu'on joue sur le côté rebelle de la ville? La municipalité précédente, elle avait ça sur le bureau et elle a toujours voulu refuser ça en disant « Non, on va pas... quand même vendre le côté rebelle. Mais il y a des intentions qu'on voit, je l'ai vu sur une publicité en anglais, sur le MUCEM, hein, Marseille rebelle. Hein. C'est quelque chose qui est toujours un peu présent. Comment est-ce qu'on joue comme capital, comme ressource, sur des facteurs qui, intuitivement, peuvent paraître comme étant stigmatisants? La ressource du stigmate, ça c'est quelque chose qui n'a pas encore été poussé à la fois du point de vue des politiques de marketing territorial, mais aussi finalement dans le chantier de recherche qu'on est en train d'explorer. Je suis toujours satisfait lorsque des entrants, des arrivants, comme les appelle Nicolas, des venants, c'est Adrian Bels, s'installe à Marseille, souhaite y rester, et j'ai entendu vos remarques de satisfaction, et croyez-moi, ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et pour terminer, le site France Délinquance, en 2021, indique Paris au premier rang des villes les plus dangereuses de France. Bordeaux, au premier rang des villes où le risque de se faire cambrioler est le plus important en France, toujours en 2021. Ce qui montre bien... ce que vous venez d'indiquer. Il y a plein d'idées qui restent ancrées, qui vont, qui viennent. Et il n'empêche que Marseille continue à attirer toujours énormément de touristes. C'était juste avant le Covid, en 2021, 4,5 millions
de touristes sont venus à Marseille. Alors, ça ne veut pas dire que les organisateurs de ces voyages laissent le temps à ces touristes de visiter Marseille et de se l'approprier, parce que la plupart du temps, les croisiéristes sont chargés dans des bus pour être traînés au Beau-de-Provence ou dans un autre village. Mais il n'empêche que la plupart des touristes qui ont fait un voyage en passant par Marseille continuent à dire que c'est une belle ville dans laquelle ils ont envie de revenir. Et pourtant, ils n'ont rien vu, même pas le jardin des Bastilles. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ces retours. Mais c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Une dernière intervention, si vous le souhaitez, et puis en vous. Marseille n'est pas une ville comme une autre, c'est peut-être ce qui fait son charme. Non. Oui, mais les Marseillais ne sont pas comme les autres non plus. C'est les deux. C'est une ville comme d'autres et c'est une ville particulière à elle-même. C'est les deux. Les deux choses existent ensemble. Moi, je dirais que c'est une ville pas comme les autres, comme toutes les autres villes. Le reportage qui est passé mercredi sur la Ouais. Je l'ai raté. Mais il est en ligne, tu pourras le revoir. Oui. Effectivement, ce documentaire est un très très joli documentaire long, plus d'une heure, mais très beau documentaire. Il me reste César et Mathieu. Et Nicolas, à vous remercier très très fort. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous tous aussi d'avoir participé à cette conférence. Merci beaucoup. Et je souhaite que, comme moi, vous soyez régalés.